Hello there. Hey Manu. Hello, hello, hello. Ce matin, je ne pensais pas te voir. Ah bon, pourquoi? On est jeudi. Le jeudi, je stream normalement. Moi, ça va. À moins que j'ai oublié quelque chose. J'avais dit jeudi soir, il me semble. Oh, bah c'est pas impossible que je raconte des conneries. Ah non, en général, le jeudi, je travaille toute la journée d'ailleurs. Jeudi et lundi sont mes deux journées productives. Donc, il y a moyen de finir cette carte aujourd'hui. Et ça, ce serait bien.
Enterrée? Bah, elle est pas enterrée, elle sort comme le chien, elle sort derrière les cailloux, là, elle sneak. Ah ouais, ça va. Ça va, ça va. Demain, j'ai une réunion de préparation, justement. Mon anniv samedi. Et toi? Comment que ça va aujourd'hui? Ouais, j'ai pas arrêté de reprendre les murs derrière parce que elle a quand même 2 points de vie autant qu'un chien, donc j'ai réduit petit à petit la taille des pierres du mur pour qu'elles paraissent un peu plus grosses. C'est pour ça qu'elle est pas en mode aile déployée, parce qu'en fait c'est une chauve-souris géante, donc je pourrais pas la dessiner comme j'ai envie. Si elle a les ailes déployées, il faudra que je la dessine plus petite et on verra plus sa tête. Moi, je voulais voir sa tête. Je voulais qu'elle se déplace comme un dragon au sol là, sur ses pattes. Ça change un peu. Il y en aura d'autres, des cartes chauve-souris. Chauve-souris normale. En pagaille qui te vole dans la tronche.
fatigué. Hier, ma cousine est venue me chercher pour aller à la mairie pour un document dont peu de personnes connaissent l'existence apparemment. Faire des photos d'identité et autres rendez-vous. Bonne journée, quoi. Porte-fort, c'est quoi ça? Un document porte-fort, j'ai jamais entendu parler. Payons au nombre que tu désires. Il doit fournir ta carte d'identité, livret de famille, acte de décès, pièce d'identité de la personne décédée, une attestation de logement. C'est tout? Ils sont quasiment moins que leur formulaire.
Schneider? Je sais pas trop. Ça me dit trop rien. T'en as? Ah oui, alors attends. J'en ai. Je sais pas si c'est des Schneider. Ça me dit rien la marque Schneider. C'est ça qui est bizarre. La marque, tu me diras que ça s'est effacé. Donc ça se trouve, c'est des Schneider, j'en sais rien. Mais c'est. Peut-être pas hexagonal, ça c'est plutôt triangulaire. La dame de la mairie me l'a donné, je n'ai plus fait attention quand j'ai rangé les papiers, je l'ai embarqué. Ça, c'est une maladie des stylographistes, fais attention. Les stylographistes gardent les stylos.
Oui, effectivement, je crois que c'est triangulaire. Pardon, il n'a pas l'air mal, il faut voir avec le temps, mais ses côtés marqués, je n'aime pas trop, j'aime bien quand c'est arrondi. Moi, je les aimais bien, enfin, tu les tiens. Parce que quand tu tiens un... Attends, je sais pas si on voit bien là. Tu vois, quand tu tiens un stylo. Ouais, c'est pas évident à voir. Mais quand tu tiens un stylo, en général, ça forme un triangle avec les trois doigts. Donc, je trouve justement que ça a été bien pensé et que c'est pas désagréable. Mais après, c'est une question d'habitude après. Hein. C'est comme tous les stylos. Hein. Quand tu passes d'un stylo comme ça à un stylo 10 couleurs, c'est pareil. Hein. Pour dessiner, c'est pas les mêmes sensations. Mais une fois que tes doigts ont pris l'habitude des trucs, tu fais plus trop attention. Exactement. Tout est une question d'habitude. On a l'avantage de pouvoir s'adapter quand même assez vite. Il y a des choses qui sont plus ou moins longues à s'adapter, mais on finit par s'adapter quand même. Hey Milivika! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va? Sortir de l'épreuve d'oral du brevet. Putain, déjà? Ça traîne pas, hein? C'est bien passé. Ça va en vrai, j'ai beaucoup moins stressé qu'à l'oral blanc et en vrai, attention aux abréviations. J'aurais aimé faire quand même mieux, je pense. TRQL, TRQL mademoiselle, je vais finir par punir. Les abréviations sont interdites, ça y est, c'est devenu un truc.
On n'a plus le droit aux abréviations. Ça veut dire quoi, TRQL? Ça veut dire tranquille. Eh ben écrit tranquille. Mon bus va arriver bientôt. Ok, rentre bien. Et bravo encore. Boy boy. Mettre dans mes règles de chat ce truc. Abréviation interdite. Non mais oh. Un peu de respect pour les yeux qui n'ont pas envie de lire juste des lettres. On veut des ponctuations. On veut des mots. Des mots complets qui veulent dire quelque chose. Oui, c'est ça. Avec le marque-tapage. Il faut lire, public, il faut lire.
Bon, on est à 5 cartes de faire le fantôme, hein. D'ailleurs, je ne pense pas que ce sera un fantôme, ce sera un esprit frappeur. Ce qui explique pourquoi il peut récupérer des objets bien concrets. Tu vas être un esprit frappeur. Un poltergeist. Ouh. Et tu vas être rejoint par plein de poltergeists quand on aura les catacombes. C'est là qu'en fait je vais pouvoir faire la tête de ceux qui ont envie de participer plus que ce que j'avais prévu au départ. Là, il n'y en aura qu'un. Et ce sera toi. Bon, t'as vu, Annick nous a rejoint sur Patreon. Alors Annick, elle vient tous les mardis à mon atelier pour dessiner. Elle a commencé un peu à faire de l'art plastique aussi. Et c'est ma couturière. Personnel. C'est elle qui me fait mes coutures pour bon repos. Je pense que c'est la maison des hobbits qui l'a un peu motivé. C'est un peu là-dessus que je compte en fait. À chaque fois, je vais essayer de faire des beaux dessins en atelier pour donner envie aux gens de s'inscrire. Donc, je suis rassuré de voir que toutes mes lignes à la con se voient plus une fois que j'ai fini les pierres. Bon, est-ce que ce format de pierre permet de voir que la chauve-souris est quand même vraiment balèze? Je pense. Hein. Là, on est quand même sur de la chauve-souris qui est gros comme un chat. Un bon gros chat. Un chat suceur de sang qui peut voler. Ça mérite bien deux points de vie, ça. Dans le genre monstre, on n'est pas trop mal. Autant que j'avais un petit peu de mal de mettre le chien de garde dans les monstres. Pour moi, c'est pas un monstre, le chien de garde, mais bon. Je pense que c'est plus un terme générique.
Oui, au départ, j'avais fait des pierres beaucoup plus grosses et du coup, ça avait assez diminué la chauve-souris. Là, je me suis dit merde. Elle a l'air trop petite. Elle a l'air d'une chauve-souris d'un point de vie. Faut qu'elle en ait au moins deux. Donc, je l'ai grossi en rapetissant les pierres. Thank you.
Ouais, ça devrait le faire. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai écrasé là? C'est quoi ce truc jaune? C'est quoi ce truc jaune dégueu? Bon.
suis comme ça, moi. J'ai l'impression que c'est devenu mon état normal. Mon état habituel. Oui, je bois pas de café même du tout. Alors, je vais peut-être m'en faire un. Je pense à un truc. Oh merde, j'ai oublié de le faire. J'annule mon cours de ce soir. Ah, j'ai pas le temps de le faire.
Attends, excuse-moi. Si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Au collège ce soir, donc je peux pas faire mon atelier. Ah non, non, c'est exceptionnel. C'est parce que Aaron va faire latin l'année. Il veut faire latin l'année prochaine. Hey Linduka, bonjour, comment ça va? Moi nickel, je suis posé, croquis à la main, en te regardant bosser sans le son, mon casque est en charge. Eh ben, j'ai envie de dire. Thumbs up, hello! Rendez-vous au collège. Alors, on va envoyer ça. Ah. Madeleine. Et à Françoise. Voilà. Envoyer. Et bon, ça c'est fait. Revenons à nos chauves-souris. Faut que je fasse un logo le temps des quêtes. Parce que d'accord, c'est l'univers Maître Guerrier, mais ça sert à rien d'avoir le logo Maître Guerrier en gros, en dessous le temps des quêtes et le nom du jeu. Donc, enfin le nom de la quête en question. Donc je vais plutôt faire un autre logo où ce sera écrit en petit Maître Guerrier. Pour qu'on voit bien que ça vient de l'univers de Maître Guerrier, et d'écrire en gros mettre le temps des quêtes. Comme de toute façon j'aime pas le logo Maître Guerrier, ça m'arrange en plus. Je l'aime pas parce qu'on voit rien du tout.
Dès que c'est sur un... On voit pas très bien les lettres, on n'arrive pas à le lire. Donc je comprends Sébastien hein, qui a raqué à l'époque pour faire ça par quelqu'un. Et qui du coup il a envie de le garder, mais c'est illisible. On arrive à le lire quand on est né, quand on a le nez dessus, mais dès qu'on s'éloigne un peu, on n'arrive plus à lire. Moi j'ai fait faire des tasses il y a longtemps. Monsieur impatient. J'ai fait faire des tasses. On a 25 tasses, maître guerrier. C'est à peine si on arrive à lire ce qu'il y a écrit. Donc, je vais faire un logo à moi. On pourra bien lire le temps des quêtes. Et comme ça, ce sera le logo de ce jeu. Parce que comme il n'y aura pas qu'une seule quête, ça fait trop de trucs de merde. Remarqué. Re, toujours pas de son. Casque chargé. Ah, rebonjour alors. À 10h30.
Ah non, il y a l'écorce du bois hein, qui demande un peu de boulot au niveau de la texture. Donc après, selon la distance, c'est plus ou moins précis, mais il y a la texture qui est importante, il y a le volume de l'arbre aussi pour pas qu'il a l'air trop plat. J'avais dit que j'allais me faire un café. J'allais me faire chauffer de l'eau. Je reviens dans 2 secondes. Je vais me faire chauffer de l'eau. Chauffe Marcel, chauffe, chauffe, chauffe. Ouah. Ouais, c'est chiant, c'est que du coup il y a mon Posca qui le crayon ne marque pas la pareil sur le Posca et sur la feuille, donc du coup quand on insiste un petit peu on voit les endroits où il y a du Posca.
Donc soit que j'arrive à me débrouiller pour que ça se voit moins au final, soit qu'il faudra que je numériquement je nettoie le. Je nettoie le mur. Bon, ben voilà, j'allais faire mon café. J'ai entendu mon eau chaude claquer. Clac, clac, clac. Une paille pour l'orque. À mon avis, je vais me brûler là, mais bon. Hier, j'ai tenté de dessiner avec un stylo, j'ai été déçu et puis j'ai recommencé et là, ben, j'aime bien. Je vais en profiter pour donner un peu de vie à mes croquis. Ah oui, ben, tant mieux. C'est cool ça. N'hésite pas à poster sur le Discord hein, si t'as envie. Que je vois ce que ça donne. Tu
Tu as piqué ma curiosité. Attention aux abréviations, hein, c'est interdit sur cette chaîne. Ouais, j'ai un peu de mal avec les abréviations. On n'est pas dans un texto ou dans un machin, donc je me dis, oh, y a un moyen quand même de formuler des phrases et faire des mots entiers avec des ponctuations et des espaces. Ça permet aux vieux comme moi de mieux lire ce qui est écrit. Thank you.
C'est intéressant, moi, la démarche que ça a, la chauve-souris quand c'est pas en train de voler, quand ça marche, en fait. J'aime bien. Et ça m'éclate de voir que ces grandes ailes qu'ils ont, qui sont complètement refermées comme ça, et quasiment invisibles. Je connais pas cette bestiole. Je pense que tu vas avoir une grosse surprise. Ah, pardon.
Thank you.
Oh là, j'ai cru qu'il y a une pub qui allait partir là. Ah oui. C'est bien ce qu'elle est partie. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Fais ta vie, Manu, fais ta vie. Je te souhaite juste que ça soit pas administratif. Bon, alors ça va.
Ah, on ne voit pas beaucoup cette chauve-souris, c'est le seul truc, c'est comme elle est un peu de la même couleur que le fond. Elle est un peu fondue dans le décor. Un peu comme mon kobold. Il va être 11h30. Merde. Voilà, je m'arrête.
t'en parle, il ne t'écoute même pas. Tu mets un magnétophone et puis tu fais oui, oui, comme dans Last Action Hero. Oui, oui, Bon, moi je vais aller faire à manger. Désolé, j'ai eu un appel, je me suis laissé distraire, je suis un bébé en dessin. J'ai un peu honte de les mettre sur le Discord, c'était juste des croquettes. Non mais, alors, je te rassure, le Discord n'est pas là pour juger les gens, hein. C'est juste pour si tu as envie de partager et d'avoir des opinions, ou pas d'opinion du tout même. C'est juste, on est entre nous, hein. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de compétition. Si tu as envie de conseils, je peux t'en donner. Si tu as envie de te débrouiller, tu te débrouilles. Il n'y a pas d'obligation, hein. Tu peux même ne pas les montrer si tu n'as pas envie de les montrer. Moi, je te propose, après... Bien qu'on démarre quelque part. Pour mettre un petit jet cet après-midi hier, j'ai oublié. Ah, tu l'as fini? Bon, hier, j'ai mis ma petite maison des Hobbits. C'était hier ou avant-hier? Je sais plus. C'est avant-hier, ça passe trop vite en fait. D'accord, je te remercie pour ta bienveillance, je viens de les poster. Oh non, pas eu le temps, juste pour que tu regardes et me conseilles. Ok, attends, je vais vite faire regarder avant d'aller faire à manger. Déjà, bienvenue à toi, je te ferai un petit welcome à la orque comme tu le mérites hein, dès que j'ai 5 minutes. Travail en cours. Ah mais c'est cool. Je viens de me faire mes premiers croquis au stylo. Et franchement, pour des premiers croquis au stylo, c'est pas mal du tout. Et c'est bien. Hein. Inspiré par Tony
Bancroft. Bah écoute, on est dans l'esprit crowbar, hein, donc c'est très très bien. Pour des petits croquis, c'est très très bien. De toute façon, le croquis au stylo, c'est exactement ça, c'est-à-dire donner des indications, donner des directions, suggérer des trucs. C'est très très bien, t'as un bon coup de crayon en plus, ça, ils sont sympas tes persos. Non, t'as pas besoin d'avoir honte. Pas besoin d'avoir honte. C'est très très bien, continue comme ça. Je t'encourage à continuer le stylo parce que il y a du potentiel. De toute façon, faut pas s'attendre à faire un résultat photo tout de suite. Hein. Le stylo, ça s'apprivoise. Il faut attendre que la main prenne le coup, arrive à gérer la pression de la bille sur le papier, etc. Donc, c'est comme tous les outils. Hein. Il faut un petit peu d'expérience, mais c'est un très bon départ. J'aime bien ce nœud. Ce nounours au téléphone, là, il a une bonne tête. Et puis ce canard, quoi, c'est un canard ou c'est une. Ça ressemble plutôt à un castor, non? Ou un truc qui fait les barrages, là? Non, attends, un truc avec. Tu sais, qui a un bec et une queue plate, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Comment, Manu? Ne sois pas comme ça. Je vais continuer. C'est un ornithorynque. Ah voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait quelque chose avec sa petite casquette. Trop marrant. Bah écoute, si ça c'est juste des petits croquis, j'ai hâte de voir si tu les travailles, si tu les travailles un peu plus, parce que ils sont très sympas. Moi, je vais m'arrêter là pour ce matin. Cet après-midi, je reviens vers 14h30 pour continuer cette carte. En espérant même la terminer, ce serait génial. Et que ce soir, je commence le premier monstre à un point de vie. Encore 5 monstres à un point de vie derrière cette carte et on attaque la dernière ligne droite. Enfin non, c'est pas la dernière ligne droite du tout, mais... on sera à la moitié du projet. Je pense... ouais. Après cette carte-là, on est à la moitié du projet, je pense. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir cet après-midi. Tu fais comme tu peux, Manu. T'inquiète. Tu n'as aucune obligation. Ça me fait toujours plaisir que tu sois là, mais tu n'as aucune obligation. Surtout en ce moment. T'as sûrement mieux à faire. Enfin, mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais... Plus d'urgent. Allez, bon appétit, merci beaucoup d'être passé et on se revoit très vite. On va aller raider quelqu'un et puis on va aller faire à manger. Salut!
pense pas qu'ils annulent le festival. Ce serait bien une première, hein.